Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Bon allez, on va aller sur un jeu horreur. Et les mecs, à ce qui paraît, vraiment, c'est le jeu d'horreur le plus, celui qui fait le plus peur. Et j'ai hésité à le faire ce jeu d'ailleurs. Parce que vraiment, à ce qui fait vraiment peur, mais je vais le faire. On peut mettre... Oh, il y a français! Enfin! Enfin, jeu d'horreur en français! Enfin! Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Starfallah! Elle m'a envoyé un message? La Yanderer, elle m'a envoyé ça où? Elle m'a envoyé ça où? Bah attends, c'est juste un jeu de base, frère. Et le jeu, les mecs, la vie de ma mère. Le jeu, je l'ai pas installé sur Steam. Donc comment ça se fait qu'elle m'envoie un message sur Steam? T'as leak l'API? Non, mais non. Non, j'ai rien leak. Pourquoi elle m'envoie un message? Non, je suis sûr, j'ai rien leak. Je te jure, je suis sûr, voilà, j'ai rien leak. C'est pas un virus, frère. Vous avez vu ce qu'elle m'a écrit? Mais c'est une baiser ou quoi? Je veux que tu me bises le cul? Ben va te faire foutre! Ok les mecs, on joue. Bonsoir. Que loup solitaire dans le monde de la diffusion sur internet, je suis sur la piste d'une histoire d'horreur. Je suis quelqu'un qui s'aventure audacieusement dans des lieux sombres et mystérieux pour attirer des vues sur ma chaîne. Mais cette fois, les choses semblent plus effrayantes que d'habitude. J'ai entendu des rumeurs sur des événements effrayants se produisant dans un immeuble. Les gens ont dû quitter les lieux. À cause de cela, les résidents parlent de bruits étranges, d'ombres et même de fantômes. On est où là? Oh, y'a quelqu'un! Un appartement? Au bout de la rue. Et rentrer dans le logement numéro 10. Faut que je rentre dans le logement numéro 10. Qui c'est qui fait de la balançoire? C'est le vent. Pas d'inquiétude, les mecs. C'est juste le vent. Appartement numéro 10? Ils sont numérotés où? C'est celui-là? C'est celui-là? Non? Il pleut! Ah, c'est ça? Je rentre! One. Numéro 10. Bah, bon. L'appartement numéro 10, faut que je trouve l'appartement. Mais qui habite ici? Pourquoi quand je monte, ça s'éteint? Les cigarettes? Le 6? Le 5? Le 4, d'accord. Comme par hasard, il nous fait monter tout en haut. Comme ça, s'il se passe une dinguerie, on n'a pas le temps de s'échapper. Ah, il doit bien que j'ai vu votre vis. Je vois votre vis. Vous m'envoyez dans des bails 5 hommes. Et pourquoi y a des cendres? Bah ouais, bah forcément. Forcément. Le bah oui, bah d'accord, ok. D'accord, ok, allez. C'est quoi? Ouvrez la porte! Y'a quelqu'un! Pourquoi elle s'ouvre pas la porte? Oh. C'est quoi ça? Oh, c'est la clé! C'est la clé! C'est la clé! Je savais qu'il fallait monter en haut.
Allez, allez, Salem, allez. C'est quoi ça? Bonsoir! Y'a quelqu'un? Je suis pas méchant! Je rentre dans la pièce! Mais fais pas mal! Votre sac dans le salon et prenez vos affaires. Un nounours, une peluche, un cerf. Ça? Un doudou. C'est où que je pose mes affaires? Placez le capteur de mouvement devant l'entrée principale. Je reviens. Oh, restez sage, d'accord? Je reviens, les enfants. Voilà, parfait, magnifique. D'accord, vous êtes resté sage? Pic, je crois qu'en gros, moi, je suis un mec qui fait des urbex, en gros. Et j'essaie de prendre des vidéos, d'avoir des preuves. Et le but, c'est d'avoir le plus de trucs bizarres, comme ça fait une bonne vidéo qui perce. T'as capté ou pas? C'est la cuisine? C'est quoi, ça? Bah, d'accord, mais le pain, il est balèze. Des cigarettes, regardez, c'était quelqu'un qui fumait. En effet, un couteau. Du ketchup ou du sang? Je ne sais pas, en tout cas, ça fait bien longtemps que ça n'a pas été rangé. Jour 458 que je suis bloqué dans cette maison. Et pour l'instant, tout m'a l'air plutôt bizarre. Regardez, cette casserole, elle est cuite sur du sang. Personne ne fait la cuisson sur du sang. La salle de bain? Bah, faut tirer la chasse d'eau, mon frère! C'est quoi ça? Attends, le screamer, c'est la notif Steam? C'est ça, le screamer? Ils sont trompés dans les codes? C'est quoi, ça? Ah, j'ai deux trucs à prendre dans le sac! Détecter une anomalie de niveau 5. Et je fais quoi? Comment je détecte? Là? Là, c'est bizarre, là, regardez. Ça s'est allumé en jaune. Oh, c'est rouge. C'est quoi ça? C'est vert, y'a personne là. Les mecs, regardez, le détecteur il est vert là, y'a personne. Et quand je me rapproche ici, il devient rouge. Le détecteur ici est rouge. Ah! Sale pute! Remets la lumière! Hé, hey, tu joues à quoi toi? Tu joues à quoi? Tu crois que tu te fais perdre? T'existes même plus, de façon tu fais peur à personne. Y'a des pas, vous entendez? Non, fils de pute. Merci Croton de Unium. Putain, le sang, il m'a fait peur. Et plus! Le détecteur vient repasser à 1! Le fantôme! Si t'es quelque part, viens! Viens, mon frère, j'arrive pas à voir le détecteur à 5 là! À gauche dans le salon. Ah, y'a une lumière. Ah, mais je savais pas qu'il y avait cette pièce! Effectuez le rituel d'invocation ici. Quoi? Quel rituel d'invocation? Oh, il fait quoi? Oh,
Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui... Il fait quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Qu'est-ce que je fais? Mais je veux pas entendre, je veux pas entendre ce que tu dis, je veux pas entendre! Je quitte! Mais les mecs, vous savez que ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est un jeu. C'est un jeu, it's a game. C'est pas réel, c'est pas une vraie incantation, là. Mais bizarre, quand même, le jeu, ça. Mais là, je dois quitter ou pas? Je comprends pas. Y'en a, ils me disent non, y'en a, ils me disent quitte. Mais les mecs, c'est un jeu, j'en ai fait un milliard des jeux où il y avait des trucs comme ça. Demande à ChatGPT. Ok. Ce que... Rec paroxysme. Jureux. Le jeu est destiné à un public mature, conscient des thématiques de l'horreur psychologique. Si un joueur n'est pas à l'aise avec ce type de contenu, il pourrait être considéré comme dangereux en termes de stress émotionnel. Bah c'est juste parce que c'est un truc d'horreur, quoi. C'est du shirk. Ou idolâtrer dans le cadre du jeu, certains pourraient interpréter cela comme une forme de shirk. Cependant, il est important de différencier le jeu de la vie réelle. Participer à une activité fictive dans un jeu ne signifie pas nécessairement que l'on peut approuver ou pratiquer ses actions dans la réalité. Il n'a pas tort. Intention des croyances. En islam, l'intention niya joue un rôle crucial. Si un musulman joue un jeu avec l'intention de se divertir sans donner de crédit ou d'importance réelle aux éléments contraires à l'islam, ça ne serait généralement pas considéré comme du shirk. Cependant, si le joueur commence à croire ou à accorder une importance réelle aux aspects polythéistes ou idolâtrés présentés dans le jeu, cela pourrait... Ouais, en gros, si. En gros, si moi... Genre, je commence à être en mode, je commence à croire en la vraie vie. Bah là, oui, mais là, y'a rien, les mecs, c'est juste un jeu. Vous vous êtes monté la tête pour rien, frère. Si dans le chat, vous êtes là en mode, ouais, je me sens pas bien, nanani, genre en mode, vous croyez au jeu, là, c'est du shirk. Mais faut pas croire, c'est un jeu. Enfin, c'est ce qu'il a dit, du coup, ChatGPT. C'est pas réel, c'est pas la vraie vie. C'est un mec, il a fait ça en 3D sur un PC. Mais qu'est-ce que je dois faire, là, maintenant? Va dans le balcon. Ah! Fils de pute! C'est quoi ça? Pourquoi il a un masque? Voilà, reste à ta place. Voilà. Bouffonne, va. Tu crois que tu fais peur à qui? À personne.
rien à faire. Sale pute. Pourquoi tu mets des coups de couteau? T'as cru t'étais Ziak? On l'a que t'es personne. Faut que je sorte. Ah! Ah, c'est la poussière. Putain, elle était tellement bien faite aussi. Oh, chaud. Ouvrez la porte! Ouvrez! Allez, hop, allez. S'il vous plaît! Oh, viens, viens, c'est un homme. Crochet dans ta mère, la pute, viens. Tu me touches, tu me touches. L'association malfaiteur. Starf. On est où? Oh, ça, on est où? Tu m'expliques ou pas, on est où? Oula, vous parlez pas, parlez pas. Fermez votre gueule, parlez pas, c'est bon. Derrière? C'est quoi? Quoi ce bordel? Yonderer? 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 Je voulais pas partir. C'est juste que tu m'oppressais trop. Moi, je voulais pas. Je voulais prendre mon indépendance. C'était une relation toxique. C'est Anaris? C'est le face reveal d'Anaris? Tu ressembles à quoi? Fais voir. Même comme ça, tu veux pas montrer ton visage, hein? Tu veux vraiment le cacher, hein? Cache, cache ta aura, cache. Ça, tu respires fort. Ah! Ah, c'est ça tes pieds, Anaris? Ah! Mais lave-toi, mon frère! Lave-toi! Tu fais pitié! Ah là 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 là! Je me suis dit, c'est Belex et Yit, ils posent un son là. Ça, le drop de l'instru était pas mal. Toilette plus mort est égal clé. Toilette plus mort? Comment ça, toilette plus mort, merci Funxi. Monstre de la calvitie. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est qui lui?
C'est même pas réel, c'est qu'un jeu. Pourquoi j'aurais peur? C'est qu'un jeu. Ça fait pas peur. Ah oui, c'est un jeu. Ah ça, c'est le début des embrouilles. Sale fils de pute, Anaris. Toilette ananas nasdas. 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 Qui a sonné? Qui sonne chez moi? Où est le nounours singe? Il est là! Qu'est-ce que je dois prendre? Je dois faire quoi ici? Les mecs, c'est pas Nico, frère! Vous êtes malade ou quoi là? C'est racisme ça! Attends, laisse-moi. Putain. C'est bon. Putain, pour les subs, t'es prêt à ça? Putain, bref, c'est fou ça. Ah oui, ouvre la porte. Vas-y, ouvre la porte. Je peux pas ouvrir la porte, sale pute. Sale pute, je vais pas ouvrir la porte. En fait, c'est pour éviter d'avoir peur. C'est comme ça, ça me fait pas peur. Et ça marche. Hein. D'où l'expression, les mecs combattent le feu par le feu. T'as capté ou pas? Ouvre la porte! T'es où, sale pute? This is your last warning. Go away. Non. Non, je vais pas partir. Ouvre la porte. Mais qu'est-ce que je fais alors? Reste ici. Ah, t'as eu? Tu fais ça. Voilà. Allez, regarde-toi maintenant dans... LED rouge, t'as capté ou pas?
Merci pour la clé, le sang. J'ai la clé. Ah, c'est la clé de ça. Vous n'êtes pas seul dans cette maison, la femme. Vous la cherchez, n'est-ce pas? Si vous voulez la trouver, écoutez attentivement. N'avez-vous pas entendu ces cris? Ils résonnent derrière les murs. Son sang décore encore les murs. Je l'ai placé là, de mes propres mains, juste devant vos yeux, là où nous cachons tous nos secrets. Continuez à vous cacher, mais rappelez-vous, chaque mur a un secret. Excuse-moi. Là, je sors, laisse-moi sortir. Je sors, laisse-moi sortir, allez, s'il te plaît. À trois, je compte à trois, deux, un. Putain, Néaris, mais je comprends pourquoi tu gardes le masque. Je comprends. Arrêtez de crier, putain! On est à Orly ou quoi? C'est Boubacaris? Vous criez, on dirait qu'il y a une bagarre, mon frère. Calmez-vous un peu! Ok, vous êtes des fantômes, Bellec, je veux pas, je veux bien. Mais ça y est, vous, même quand vous êtes des fantômes, vous criez, on dirait vous êtes au fond du bus, on dirait les 8h du matin, là. La salle du singe. Pourquoi tu regardes sur le côté, dis-moi? T'as vu quoi? Pourquoi tu regardes sur le côté? Pourquoi? Dis-moi maintenant, pourquoi? Y'a rien à regarder! Et sur le côté, le singe. Ah! Salle de Nico. Mais c'est... Bonhomme, ça mariable. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Madame? Si cette note tombe entre les mains de quelqu'un, faites-leur savoir qu'ils n'ont pas libéré l'esprit de la femme. Au lieu de cela, ils ont maudit son âme sur eux-mêmes. Maintenant, son cauchemar sera votre réalité. Il n'y a pas d'échappatoire. Eh ben, il n'y a pas d'échappatoire, ma... Madame, vous allez bien? Qu'est-ce qui vous fait, madame? Madame, respirez, madame. Respirez. Respirez, madame, vous êtes en sang, tout le corps est en sang, madame, vous savez ou pas que tout le corps est en sang? Vous allez bien? J'appelle une ambulance tout de suite. Madame, si vous m'entendez, hochez la tête. Madame, si vous êtes morte, hochez la tête. Elle est encore vivante, les mecs, elle est encore vivante, sinon elle aurait hoché la tête. Elle a pas hoché la tête, c'est qu'elle est vivante, très bien. Madame, on va vous sauver de là, d'accord? On va vous sortir d'ici. Prenez ma main. Vous voulez pas coopérer, madame? Bah tant pis pour vous. J'aurais tout fait, tout essayé. Vous avez qu'à rester ici. Paumé dans votre trou. Ciao, loser. Je dois aller où, là? Barre-toi de cet appartement de dégénéré. Mais pourquoi tu parles en titre, Samo? Parle en tant qu'humain? Tu me fais des titres, là. Ne jamais rester dans cet appartement à 1h04 du matin. Oh, c'est ouvert. Bah écoutez, moi je parle. Hein. Y a aucun souci. De toute façon, le démon est... L'esprit, il est dans la maison. Il est là, il est pas parti. Fais gaffe. Bah tu veux que je descende comment? Ouais.
Y a un problème? Il plaît beaucoup, hein? Faut que je rentre chez moi. Vous voulez un truc? Pourquoi vous me regardez? Je l'ai bien semé, cette clocharde, cette grosse pute. Pardon. Je l'ai bien semé. Allez. Allez, bonhomme. Bonhomme, mon frère. Bonhomme! Vous avez pas froid, madame? Vous voulez pas un parapluie? Vous pointez quoi du doigt? Qu'est-ce que vous pointez? Quoi, il est pas de screamer? Putain! Je me suis dit là, je vais avoir un screamer de baiser, je vais te faire baiser le cul! Bonhomme, les mecs, on est partis! On est sortis de ce tracteur là, putain, on est sortis de ce tracteur! C'est fini? En vrai, ça va, c'était bien, c'est juste que c'était court, ouais. Bah, en vrai, le jeu il a duré une heure, hein. En fait, dites-vous, ce jeu là, s'il rajoute plus de screamers, ça fait. En vrai de vrai, les mecs, le jeu en termes d'ambiance, de ambiance sonore et screamer, il est vraiment très très fort. J'en ai fait des jeux d'horreur, il est vraiment très très fort. Bon, les mecs, on va arrêter le stream ici. Je pense que le stream était assez bien comme ça. Bref, les mecs, passez une bonne soirée, je vous aime tous. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire, like, abonne-toi. Sinon, j'arrête les vidéos. Bon visionnage.